Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Oxymode saison 9. Et aujourd'hui, les amis, au programme, on va aller capturer de la wyverne. Vous allez voir, ça va être vachement cool. Donc j'ai fait pas mal de hors-caméra, en fait, plusieurs heures. Hein, il faut dire ce qu'il y a, j'ai fait plusieurs heures de hors-caméra. Et je vais vous présenter ça tout de suite. En tout cas, comme d'habitude, je tenais à vous remercier pour tous les likes et les commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, écoutez, c'est parti. Alors donc comme vous pouvez voir, il y a eu pas mal de changements déjà au niveau de l'esthétique de la maison. Tout simplement parce que je suis allé chercher des bibliothèques. Donc j'ai pu faire une table d'enchantement de niveau 30, voilà, hein, comme ça je peux vous montrer. Ensuite, à l'étage, du coup j'ai mis le lit avec des bibliothèques parce que j'avais du surplus. Donc du coup j'ai fait ça comme ça. Ensuite, nous avons des coffres en plus, donc là où je range un petit peu le bordel quoi. D'ailleurs tiens, je vais mettre ça là, hop, ça, j'ai pas besoin. Écoute, je pense qu'on est pas mal, Jackie, hein, oui, on est pas mal. Ensuite, ça on s'en fout. Donc, pour les wyvernes, ah non d'abord, regardez, oui j'ai remis de la mana, là c'est en train de tout envoyer, la mana et tout, tranquille. Oh putain, il y a un boss là. 20 points de vie. Tu es nul comme boss. Non, je vais garder mes flèches. D'ailleurs, on va en crafter des flèches. On a besoin de flèches aussi aujourd'hui. Du coup, j'ai le Heart of Undead, le Heart of Darkness et le Heart of Fire. Voilà. Donc ça, tout ça, ça va nous servir. Il va me falloir ceci. Attends. Parce qu'il va falloir que je crafte l'Essence of Light. Donc là, il me faut... Ok, de la chair putréfiée. Très bien. Ensuite, ici, il me faut... une poudre de blaze. Très bien. Et ici, il me faut une perle du néant. Ok, donc, perle du néant, c'est bon. Attends, je vais... J'ai trop de bordel. J'ai trop de bordel. Alors, attends, voilà, ça, voilà, très bien. Donc là, on a les cœurs. Tac, je vais faire des rangées, comme ça, je vais pouvoir tout préparer. Donc, les cœurs, on va les mettre ici. Donc, toi, perle du néant, toi, il va te falloir une poudre de blaze. Il va me falloir un blaze road. Donc, on va faire ça, tac. Voilà. Ça, on va le garder ici. Ensuite, ça va ici, voilà. Il va me falloir une chair putrifiée. Et du verre. Il va me falloir du verre. Est-ce que j'ai du verre? J'ai du sable, j'ai du verre. Très bien, impeccable. On va pouvoir faire ce qu'on a à faire. Alors, donc c'est comme ça, hein, je me trompe pas. Ouais, impec. Donc du coup, voilà, ceci. Bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Tac, tac. Ce qui nous fait l'essence of fire. Là, on a l'essence of darkness qu'il faut que je mette comme ça. Voilà, très bien. Et ici, nous avons l'essence of undead. Une fois que ceci est fait, il nous faut un œil du néant, un œil of ender. Suivi de. C'est tout? Bah oui! Ah non, d'abord! Eh, va pas trop vite, Oxy. Voilà! Essence of Light, un bonheur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah le Blaze Road, bien sûr. Bien sûr, j'ai oublié le Blaze Road. Tac, je vais récupérer ça. Très bien. Donc, je vais mettre ceci ici. Ensuite, ça là et ça là. Ce qui nous fait le Wyvern Portal. Bon, on va pas l'utiliser tout de suite. Puisque d'abord, il faut qu'on fasse quelques crafts avant de partir. Donc, on va prendre les plumes. Ensuite, je vais prendre... Oui, j'ai du gravier, voilà, très bien, on va prendre une pelle. J'ai pas de pelle en meilleur état que celle-là. Non, bah écoute, c'est pas grave, je vais en crafter une, hein. Je vais crafter une pelle, hein. On m'en bat les couilles, frère. Du coup, tac, voilà, très bien, des sticks. Ensuite, on va mettre ça. Et ensuite, il me faut le fer. Impeccable. On va prendre le gravier, on va le mettre juste ici. Et je vais aller crafter ça. Tiens, d'abord, je vais tuer ce boss, là. Salut, boss. Wouh! Putain, tu tires plein de trucs. Mais comment tu tires trop de couleurs? C'est ouf. Attends. Non, tire pas. Aïe, 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 aïe. Attends. Ah non. Ne va pas trop. Oh, elle a pris cher. Aïe! Non, en fait, j'ai pas eu mal, mais aïe! Attends, vous êtes deux, là. Ça, c'est de la triche. Aïe. Aïe. Pétasse! Tiens. Non, mais pétasse! Je vais mourir les gars. Je vais mourir. Ah! Tiens! Tiens! Wouh! Heureusement que j'ai toujours mon pistolet à eau sur moi. Sinon je m'en serais jamais sorti. Donc je vais monter jusqu'en haut. Et puis après je vais tout casser avec la pelle tout simplement. Oh non, j'aurais dû prendre un seau d'eau.
J'aurais été tellement plus efficace, j'aurais mis une torche tout en bas. Quoique, je sais pas si ça peut donner du gravier si on met une torche en dessous. Je crois qu'il faut casser à la pelle hein, pour avoir du... Enfin, du gravier, qu'est-ce que je dis? Pour avoir du flint, du silex. Voilà, hein, on va parler en français. Pour avoir du silex, ouais, il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr du tout de ce que j'avance. Donc, je vais faire ça comme ça. Tac, je vais faire le premier avec vous et puis après je fais une petite ellipse je pense. Déjà on va voir combien de silex on va réussir à avoir avec cette magnifique colonne de gravier. D'ailleurs il va falloir que j'aille chercher de la nourriture aussi. J'en ai, d'ailleurs je vais aller la mettre à cuire une fois que j'aurai fini de casser ça. Et il m'en reste un petit peu en stock aussi, j'ai du pain, je suis allé récolter le blé etc. Donc on a ce qu'il faut en bouffe mais il faut que j'aille la chercher quand même parce qu'on va en avoir besoin. Parce qu'en fait on va aller dans une nouvelle dimension pour attraper les Vouivernes tout simplement. Et donc du coup j'ai eu deux silex. Pas très rentable tout ça, hein, on va pas se le cacher. Alors je vais mettre le poulet à cuire, voilà très bien. Ah bah là j'en avais mis un, bon très bien, on va le manger tout de suite, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jackie? Putain, il m'a donné masse pièce, elle. Du coup, je vais manger ça. Voilà, très bien. Et je vais récupérer, j'avais de la bouffe. J'avais de la bouffe. Ah, il me reste peut-être aussi. Oh, c'est pas cool. On va garder une patate et ça, je vais mettre à cuire. Voilà, très bien. Ok, bah du coup, petite ellipse. Et puis, on se retrouve juste après, une fois que j'ai réussi. À tout casser, voilà, donc à tout de suite. Ok, les amis, ça y est, c'est bon. Donc du coup, on va pouvoir crafter nos petites flèches tout de suite. Voilà, très bien. Waouh, on en a tout plein. Génial. Le gros nid était... Waouh, putain, trop bien. Je m'y attendais pas du tout à avoir autant de flèches. Ben si, bien sûr que oui, je m'y attendais. Alors, on va faire un petit dodo. Un petit dodo. Voilà, très bien. Et ensuite, on va pouvoir aller dans le monde des Weavers. Ça c'est embêtant hein, si je suis obligé de prendre un dégât de chute tous les matins. Le mec il est obligé de se casser une jambe tous les matins au réveil, c'est génial. Donc j'ai pas de bouffe. J'ai pas de bouffe. Ouais ça, très bien. Et les patates, voilà très bien. Et 10 bonnes patates, on va prendre les carottes aussi. On va en laisser une pareil. Je vais éviter de tout manger, on a des pommes. On va faire du pain. Et je m'en fous, je fais le plein de nourriture. Tu vas voir mon bonhomme là. Tac, et voilà. Bah écoutez, c'est parti. Allez, téléchargement du terrain. Alors attention. Yeah. Oula. Ça charge. Ok, vas-y, génère, génère. Ok, c'est bon, ça a généré. Regardez là-bas, il y en a déjà. Viens par là, petite wyvern. Il y en a partout. Des wyverns partout. Regardez, elles volent et tout. Alors, je sais pas si elles fuient quand on s'approche. Ah non, elles attaquent. Ah, elle attaque. Aïe, aïe, aïe. Elle l'empoisonne. Aïe. Ok, elle est morte. Ok, il y en avait une autre, il y en avait une autre. Ah putain, elle a fui, elle a fui. Ah non, déjà, si je loupe toutes mes flèches, là. Non. Fuis pas. Non. Oui. Non, oui. Non. Reviens. Attends, il est en haut de son arbre. Oh. Non, il n'y a plus que 3 points de vie, tu peux pas m'échapper. Parce que, en fait, faut les tuer pour avoir un œuf. Et si on n'arrive pas à avoir d'œuf, et ben après, il n'y a plus de wyvern sur ce terrain, quoi, tout simplement. Et après, on est un peu niqué. Ah, allez, allez, anticipation. Oui. Je sais pas si elle a looté un œuf. Je n'ai aucune idée. Est-ce que t'as looté un œuf? J'en ai aucune idée. Et toi non plus, apparemment. Bon, écoute, c'est pas grave. Je vais essayer d'en trouver d'autres, des wyverns. Ah, je crois que je les ai toutes fait fuir, déjà. Alors, sachant que ça repop pas, hein, une fois qu'elles sont parties, elles sont parties, elles ne reviennent pas. C'est fini de chez fini. Oh merde, tu vas pas me dire qu'elles sont déjà toutes parties. Non mais arrêtez, je vous ai toutes... Je vous ai à peine touché. Je vous ai à peine touché, les Weavers, vous pouvez pas partir déjà. Oh, j'ai le seum. Oh le seum. Oh le seum, elles sont tombées tout en bas en fait. Et oh, il y en a une là. Il y en a une là, j'ai combien de flèches? Ok, bah oui, c'est vrai, j'en ai masse. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. 40 points de vie. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, non, non, t'enfuis pas, t'enfuis pas, t'enfuis pas. T'enfuis pas. Regardez, regardez, elle va tomber dans le vide, elle va se suicider. Mais va pas te suicider. Je suis un avatar, ok. Tu dois me choisir. Mais regardez, il se suicide, ce con. Et voilà. Allez, vol! Oui, oui,
Avec un peu de chance, elle va décoller un petit peu plus haut. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là! Non! Ouh! La déception. Bon, il faut réussir à les enchaîner à l'arc. Si j'arrive pas à les enchaîner assez vite, c'est perdu. C'est perdu et j'ai pas envie de les perdre. Je les veux! Je les veux. Bon, si jamais j'y arrive pas, je pense que je me donnerai un œuf parce que quand même, voilà, on l'a fait. Allez, toi. Où es-tu? Je t'ai vu. Allez. Attends, j'attends qu'il se pose. Oh, attends. J'ai pas de bloc. Attends, je peux peut-être l'enfermer. Non! Reste là. Reste là, s'il te plaît. Allez. 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 Ah putain, il a fait le tour. Vite! Vite! Oui. Où est-ce qu'il est? Wyvern! Oui, oh non! Elles vont toutes m'échapper! Tais-toi, le serpent, là. J'ai autre chose de plus important à faire. Je chasse la Wyvern. Bon, bah, pour l'instant, je fais que la chasser, vraiment, hein, puisqu'elle s'enfuit à chaque fois. Je lui fais plus peur qu'autre chose. Et l'autre, du coup, on sait pas s'il nous a looté un œuf ou pas, parce qu'il était dans les arbres. Et c'est assez compliqué, tu vois. C'est assez compliqué. Bonjour. Y aurait-il une Wyvern survivante quelque part? Bon, là, pff, à tout hasard. J'en ai vu à peu près une dizaine, j'ai dû en taper que 4. Je me demande ce que ça fait si on saute dans le vide. Est-ce qu'on arrive là où les Wyvern ont sauté ou on meurt? Je pense qu'on meurt dans d'atroces souffrances. Sachant que j'ai pas fait de sauvegarde. Donc là, si je meurs et que je perds tout mon stuff, j'ai extrêmement le seum parce que je devrais refaire genre 4 heures d'heure caméra. Et j'ai pas envie! Hein, pour tout avouer, tiens, toi tu vas mourir, c'est gratuit. Oh! Une Wyvern! Ah bah tiens, j'ai attaqué tout à l'heure, elle est revenue. Elle a pas kiffé. Oui! Oui! Yes! Oh là 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 là! Cave Wyvern, en plus elle est trop belle! Elle est trop trop belle! Oh regardez, là-bas, il y en a un autre! Mais ils reviennent en fait! Ils reviennent! Yes! Allez, viens. Allez, viens m'attaquer, je suis en bas. T'inquiète que je vais te suivre. T'inquiète que je te lâche pas du regard. Je suis sûr, va pas te suicider. Oh, 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 oh. Ah, voilà. 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 Est-ce qu'elle a looté un œuf? J'en sais rien. Attends, il me faut des blocs. Hein. Il me faut des blocs, je vais aller voir. Je veux ton œuf. Donne-le-moi. Putain, c'est trop bien, ça respawn maintenant. Allez, enfin... je me rappelle que la dernière fois que j'ai fait Mo Créature, je ne sais plus dans quelle saison d'Oxymode, ou c'était peut-être pas Oxymode, c'était Ah, je sais plus c'était laquelle des séries que j'ai fait. Enfin bref, ça respawnait pas. Ça respawnait pas, mais apparemment maintenant ça respawn. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Allez, on va aller voir. Allez, allez, allez. Non, pas d'œuf. Ok, bon bah c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient respawn? De toute façon, j'ai déjà mon œuf, donc ça me suffit entièrement. Mais si je peux en avoir deux, genre si j'en ai un, une Wyvern qui meurt malencontreusement, bah j'en aurai une deuxième, hein. Bon, pas se le cacher, ça serait plutôt cool. Bon, a priori, il n'y en a pas d'autres, hein. Du moins, j'en vois pas. Je n'en vois pas d'autres. Alors, non, rien du tout. Eh bah écoutez, on va pouvoir rentrer chez nous. Ah oui, il faut que je me mette, là-bas, sur le truc blanc, pour pouvoir rentrer, ça va me TP. Alors, oh, là, il y en a une autre. Ah oui. Ah oui, elle rip-up, trop bien. Trop bien. Tiens, je suis là. What? Allez, prends tes flèches, wesh. What? Mais tu te fous de ma gueule? Reviens. Ok, ils aiment bien se mettre en haut des arbres, c'est assez relou. Allez, viens. Allez, je suis là, je suis là, je suis juste en dessous, attaque-moi. Ah! Oh, mais c'est sérieux ça? Viens là, oui! Mais se fout de ma gueule! Mais arrête! Moi je peux pas voler comme. Oh! Allez! Fais pas ta timide! Ça picote au début, mais après t'auras une belle descendance! Oh 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 oh! Pas d'œuf, juste de XP. Ok, très bien. Il me reste combien de flèches? 34. 34, 34, 34. Allez, toi, te suicide pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez, pose-toi. Oh, en plus, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Ah, puis il empoisonne, lui.
Ah, aïe, 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 aïe. Non, non, te suicide pas, j'ai dit. Te suicide pas. Allez, 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 il était Keblo. Oh, la flèche, elle a frôlé, il a plus que 2 points de vie. Viens par ici. Oui, verne de mes couilles, là. Allez, viens. Je veux ton œuf, tu es trop belle. En plus, tu empoisonnes et tout, t'es trop badass. Allez, viens, attendez. Ah oui, elle est morte. Et pas d'œuf. Ok, c'est dommage. C'est dommage. J'ai pas eu d'œuf. Il reste combien de flèches? 26. 26. Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ah, je kiffe. La chasse au wyvern, c'est génial. Dommage qu'on puisse pas avoir. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es pas content, hein? Alors, est-ce qu'on aurait d'autres wyverns dans les parages qui auraient respawn? Genre la bleue. La bleue a été tellement belle qu'il ferait tellement la récupérer, là. Oh, petit lac de lave, sympa. Un beau lac de lave. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks. Non, hein, y a pas d'autres wyverns. Je continue de faire le tour, hein, parce que à chaque fois je dis y a pas et puis je fais wow putain une wyvern, trop bien. Mais là pour le moment je. Ouh yeah. Allez, tiens, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Un œuf ou pas d'œuf? Pas d'œuf. Ok, c'est pas grave, c'était gratos. C'est gratos, voilà. C'est la première fois que j'arrive à choper une wyvern comme ça. Elle a démonté. Ah oui, c'est vrai qu'on a tranché en deux sur notre épée. Alors, ce serait peut-être bien qu'on se mette à crafter une épée en diamant. Je pense qu'on va se faire une épée en diamant. Ah, mais je crois que j'ai plus de diamants, en fait. Ah, ah, ceci peut être problématique aussi pour crafter une épée en diamant. J'irai checker ça tout à l'heure quand on rentrera. Dommage, j'aurais bien voulu avoir la petite wyvern bleue. Elle était trop mignonne. Elle était vraiment trop mignonne, la wyvern bleue. Elle était magnifique. Mais bah déjà, celle qu'on a est très très bien. Elle est très très belle. Ok, bon bah a priori on n'a pas d'autres, hein, du moins j'en vois pas d'autres. Puis si jamais on pourrait y retourner, puisqu'avec le bâton on peut faire 2 allers-retours dans cette dimension. Donc c'est pas grave, ça va laisser le temps aux wyvern de respawn, et puis on y retournera en capturer, peut-être dans un prochain épisode. Alors, hop, c'est parti, on rentre à la maison. Maintenant, je vais aller dans le jardin. J'entends quelque chose voler. Ah non, c'est... Ok, c'est les trucs de mana. Ok, autant pour moi. Du coup, il me faut des torches. Voilà, très bien. On va foutre ça là, comme ça. Tac, on va prendre notre petit œuf de wyvern. On va le poser juste là. Voilà, impeccable. Et on se fait une petite ellipse et on se retrouve dès qu'il a éclos. Donc je vous dis à tout de suite. Yes, ça y est, il a éclos. Donc on va pouvoir lui donner un nom. Et bah écoute, je vais l'appeler Oxibou, comme mon hibou dans Poudlard RP. Yes! Regardez comment elle est trop mignonne! Oh merde, bon, je l'ai déjà mis. Tu fous de ma gueule ou quoi? Elle va jusqu'où ta hitbox là? Ouais, putain. Ah ouais, t'as une sacrée hitbox bien buggée toi. Hop, voilà, très bien. Oxibou! Oxibou, Oxibou! Tu as peut-être faim? Je suppose que tu manges de la viande. Non, tu manges pas de la viande, tu manges des patates. Tu veux des patates, Oxibou? Je vais l'attacher d'ailleurs. Oxibou, je vais t'attacher. Je n'ai pas de quoi t'attacher! Oh non, tu vas me dire que je peux pas. Oh, il me faut un slime. J'ai pas de slime. Ok, bon, pour l'instant il est petit, il risque pas de s'enfuir. Je vais aller dans un marais. Je vais aller chercher du slime. Ah ouais, il va falloir aller chercher du slime. Il va m'en falloir. Mais c'est pas grave, j'irai en chercher en hors caméra. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute la durée de cet épisode. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est dans la description. Sur ce, eh bien allez, salut à tous, c'est Toxilac et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous. Je ferme le moteur, et là, vous allez voir que... Voilà, ça tourne vachement bien parce que il y a des réacteurs qui vous permettent de tourner. Ce véhicule est totalement incroyable. Il va être une vitesse plutôt pas mal. Hein. Oh, ça c'est dommage. Oh, ça c'est dommage. Pour l'instant, j'ai cru qu'on a gagné une tire. Je ne sais pas si je vais le trouver, mais je ne sais qu'un faux espoir. Mais c'est pas grave. En fait,